Alors nous sommes là depuis la première édition et pour nous, c'est un moment privilégié pour rencontrer en fait les adhérents de Federec sur un unique et même lieu. Alors nous sommes depuis très longtemps et leaders sur le marché en tant que fournisseurs de machines qui sont utilisées dans le domaine du recyclage pour faire la manutention, le stockage, le déstockage, tout ce qui tourne autour de la manutention des matériaux. On a présenté sur le salon une presse cisaille, donc on a 900 tonnes type réflexe. C'est une presse qui est destinée à préparer les ferrailles en vue de leur recyclage en aciérie électrique. Ce qu'on recherche, c'est de pouvoir porter l'image de la société Unta. On est en recherche d'images parce qu'on a beaucoup d'applications qui sont faites à l'étranger, en Allemagne, beaucoup dans les pays nordiques. Aujourd'hui, en France, on veut promouvoir nos produits et en profitant de l'image de Federec qui rassemble beaucoup de monde sur des occasions comme celle-ci. Ce que je vois surtout, c'est une clientèle qui est quand même à la recherche de ce qui se fait de mieux sur le marché. On va parler d'innovation, mais on va surtout parler de simplicité aussi, d'outils de travail polyvalents, de recherche aussi de baisse des coûts, machines fiables, machines robustes. C'est une journée importante dans la mesure où on a besoin de discuter avec les principaux acteurs qui se retrouvent ici aujourd'hui, des enjeux du recyclage et des enjeux aussi gouvernementaux, puisqu'aujourd'hui beaucoup de choses changent de ce côté-là. Il y a des objectifs importants et de la part de l'Europe et de la part de la France. Et c'est important que les acteurs ainsi que les fabricants soient à même pour y répondre. Aujourd'hui avec Federec, on a trouvé une équipe sympathique qui nous aide aussi dans notre développement, pour promouvoir notre marque. Et on se sent bien accueillis.